avez cet homme qui possède un champ de blé, il a un moulin, et il entrepose la farine qu'il produit dans ce moulin, il l'entrepose dans des sacs. Et un jour, il entre dans son moulin et il constate que tous les sacs ont été déchirés. Plutôt, une partie des sacs a été déchirée. Il est pris par la colère dans un premier temps et il se met dans un coin et il attend pour observer le responsable. Il attend de voir qui a fait cela. Il attend et à un moment donné, vous avez un chien qui entre dans le moulin. Un chien qui ne raisonne pas, à part si l'on entre dans des considérations anthropomorphiques. Vous savez, cette fameuse théorie qui consiste à dire que les animaux réagissent comme les êtres humains. Mais si nous n'entrons pas dans ces considérations, alors c'est un chien, il ne raisonne pas. Vous savez ce qu'il va faire, pris par la colère? Il va être injuste. Et il va prendre cet animal, l'imbiber d'essence, et il va allumer le feu. Il va le brûler vif. Vous savez ce que va faire ce chien? Effrayé par la douleur, il va sortir du moulin, aller dans le champ, et tout le champ va brûler. Voyez-vous, la colère amène l'injustice, et elle amène l'irréparable.